7h03, plus tôt dans la journée, on a parlé à la mairesse de Saint-Lambert. Il s'agit de Pascale Mongrain. On est en mesure donc de vous présenter cette entrevue réalisée avec la mairesse de Saint-Lambert. Nous avons avec nous en ligne Madame Pascale Mongrain, mairesse de Saint-Lambert. Comment ça va, Madame Mongrain? Bonjour, ça va très bien, merci et merci de votre intérêt de nouveau pour notre belle petite ville de la Rive-Sud. Bon, alors la ville, je crois, la ville de Saint-Lambert a des problèmes et puis on impute ça à ma mairesse, Madame Pascale Mongrain. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait, Madame Mongrain? Ah, bien, c'est intéressant que vous disiez ça, mais moi, je ne perçois pas du tout qu'on m'impute le problème de la gestion de nos actifs à la mairesse. Parce que comme il fut dit et écrit depuis quelques jours, ben le problème, il est créé, il a été créé depuis une soixantaine d'années, pendant lesquelles il n'y a pas eu suffisamment d'entretien des immeubles et des actifs de notre ville. Alors, je ne crois pas du tout que qui que ce soit me blâme personnellement pour avoir manqué à mes responsabilités, alors que moi, je suis élue depuis 2 ans. Je pense que tout le monde saisit que c'est un ensemble de facteurs depuis une soixantaine d'années qui résulte en ce que la gestion des actifs est pas optimale. C'est comme ça que je résumerais la situation. Mais maintenant, lorsque vous êtes élu, il y a 2 ans, la première fois, et est-ce que vous aviez une idée de l'état des infrastructures de la ville, et est-ce que vous aviez un plan pour, les améliorer? Absolument. Les immeubles sont en mauvais état et tout le monde, je pense, dans notre ville en est conscient. Et je vous dirais que le meilleur exemple ou les 2 exemples pour illustrer le problème qui est patent, c'est et que je reconnais, que j'ai reconnu dès le début, que le conseil municipal a reconnu dès le début, c'est quelque chose qui est connu. Alors, le meilleur exemple, c'est l'hôtel de ville qui a dû être fermé, imaginez-vous, il y a 2 ans, en mars 2022, et qui est toujours fermé. Notre hôtel de ville a dû être fermé parce qu'il est moisi. Et il est tellement moisi que l'air est toxique dans l'hôtel de ville. C'est pourquoi on a dû le fermer le 31 mars 2022 suite à des infiltrations d'eau et des inondations à répétition depuis une vingtaine d'années. Et ça, c'est donc le problème le plus criant qu'on a eu, qu'on a vu. Et ça résulte parce que nos employés, la quarantaine d'employés qui travaillaient dans cet immeuble-là, qui est important évidemment pour l'institution que représente la ville, ont dû être localisés en 4 emplacements différents dans notre ville, ce qui malheureusement mine la synergie qui existait entre les équipes de fonctionnaires de la ville et qui est certainement pas une situation qu'on souhaite voir perdurer longtemps. Un autre exemple, c'est la piscine Préville, vous savez, qui est une piscine municipale qui a été construite dans les années 60. Et qui manifestement n'a pas été suffisamment entretenu, parce que quand on est arrivé en poste en novembre 2021, bien la piscine était déjà fermée et on a eu le constat, on a eu la conclusion de rapports d'experts à l'effet qu'il n'y avait plus rien à faire avec cette piscine-là. Sa durée de vie était terminée en 2021. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été suffisamment entretenue, parce que l'argent qui aurait été requis pour l'entretenir annuellement ou au besoin, n'a pas été investi. Alors, c'était des choses qui étaient parfaitement connues et puis qu'évidemment, on adresse, dont on s'occupe pour que des solutions soient apportées. Maintenant, pour le plus grave de tous ces problèmes-là, c'est la maison où la ville a a pignon sur rue, qui est l'hôtel de ville, n'est-ce pas? Dans un tel état, quelles sont les dispositions qui vont être prises? Parce que, tel que vous me la décrivez, peut-être qu'il n'y a plus rien à faire, ou en tout cas,
des travaux majeurs sont nécessaires. Et hier, j'ai parlé à un représentant de la ville, à un élu, qui m'a dit qu'il y a des subventions qui sont disponibles pour opérer ces travaux-là. Bien, le dossier de l'hôtel de ville en est un dont on s'est occupé assidûment, c'est-à-dire que ça a été fermé le 31 mars 2022 et la première chose qu'il a fallu faire, vous comprenez, c'est de relocaliser nos employés parce que la ville doit continuer à fonctionner après une fermeture des bureaux comme ça. Alors, ça a pris plusieurs mois avant de trouver des locaux, avant d'aménager ces locaux-là et d'y permettre le travail de nos employés qui temporairement ont dû travailler de la maison pendant ces mois-là de recherche, d'installation et d'aménagement. Et surtout qu'il n'y ait pas Ensuite, eu de bris de service aussi, hein? exactement, c'est ça l'objectif, on est là pour servir les citoyens, alors il fallait s'assurer que les citoyens continuaient à être bien servis. Alors, ça n'a pas posé d'ennuis, ça n'a pas posé de problème. Même si c'est loin d'être idéal, on s'entend, hein? Alors après ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a mandaté une firme d'architectes et d'ingénieurs pour faire une analyse de l'état de la structure et des systèmes mécaniques de l'hôtel de ville. On a eu les résultats de cette analyse-là il y a 3 mois. On a fait une présentation à nos citoyens de cette présentation-là avec les experts impliqués, ingénieurs et architectes. Et eux, ils nous ont bien expliqué et expliqué à la population que l'enjeu est vraiment complexe parce que même si la coquille de l'hôtel de ville peut paraître correcte et solide, bien c'est l'intérieur qui est très, très abîmé par les infiltrations, mais qui en plus n'est plus aux normes. Alors, vous savez, le code du bâtiment est mis à jour régulièrement et au Québec, on a un code du bâtiment qui est très, très sévère et c'est correct comme ça parce que c'est comme ça qu'on assure la sécurité des usagers des bâtiments de notre province et qu'on assure aussi la durabilité des immeubles qui sont construits sur notre territoire. Et donc, le code du bâtiment a évolué et l'hôtel de ville qu'on a présentement, qui a été construit en 3 phases, 1924, 1967 et 1987, bien, tout cet ensemble-là n'est absolument pas aux normes. Et la règle au Québec, c'est que quand on entreprend des rénovations pour un immeuble qui n'est pas aux normes, eh bien, il faut mettre l'immeuble aux normes. Et ça, c'est du travail immense. Et donc, la question, ça va être de décider, est-ce qu'on rénove un immeuble qui est complètement éloigné des normes contemporaines et qui nécessite des investissements vraiment, vraiment élevés pour les mettre aux normes, ou est-ce qu'on devra démolir ce qui est moisi, fini, vétuste et plutôt remplacer ça par la nouvelle construction qui, elle, sera aux normes? La deuxième chose qu'on a faite, c'est qu'on a donné un mandat à une firme d'architectes spécialisée dans le patrimoine et l'histoire pour évaluer l'opportunité de conserver tous les éléments patrimoniaux de ce bâtiment-là. Alors, il y a notamment la façade de 1924 qu'on apprécie énormément et qu'on voudrait pas démolir. Il y a aussi la façade de 1967, de style brutaliste peut-être, qui mériterait peut-être d'être conservée. Alors, on se fie, puis on va se baser sur des expertises de gens qui sont vraiment compétents en la matière pour voir qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça. Est-ce qu'on va démolir partiellement? Est-ce qu'on va rénover ou reconstruire? Ce sont ces questions-là qui vont devoir être réglées idéalement pour l'été 2024 parce que ça fait déjà 2 ans, comme je vous le disais, et puis on veut un hôtel de ville, on veut se réinstaller quelque part puis rassembler nos employés de nouveau en un endroit. Alors, c'est ça le plan de match, puis on est très actif pour faire aboutir tout ça.
Et puis, lorsque vous avez dit que l'on ne peut pas vous imputer à vous personnellement comme mairesse, je comprends bien. Et dans votre explication, vous avez dit on a fait, on a fait. Donc, je comprends que c'est une équipe qui travaille à l'hôtel de ville d'élus, n'est-ce pas? Il n'y a pas un parti majoritaire, vous êtes la mairesse, mais c'est en équipe qu'on prend les décisions, n'est-ce pas? Absolument, absolument, et j'apprécie que vous en parliez. Alors, à Saint-Lambert, il n'y a pas de parti politique. Nous sommes 9 élus. Je suis la mairesse. Je bénéficie d'un droit de veto en vertu de la loi. Mais depuis qu'on est ensemble, ben, il y a une très bonne entente au conseil, ce qui ne veut pas dire que tout est unanime tout le temps. On a de franches discussions et on a des débats très sains puisqu'on est en démocratie et c'est normal de ne pas être tous du même avis. Mais on réussit toujours à trouver des consensus et à faire avancer nos dossiers. Et puis sur le dossier de l'hôtel de ville et sur la gestion des actifs, je suis convaincue que ça va être la même chose. Mes collègues sont des gens raisonnables, qui sont très, très au fait des enjeux de société et des enjeux de changement climatique, des contraintes financières que notre ville connaît. Et tout le monde prend des décisions éclairées. En groupe, oui, absolument, c'est important qu'on fasse ça en équipe. Vous avez parfaitement raison. Et effectivement, le conseiller qui m'a parlé effectivement de possibilités de subventions qui existent, que ce soit au fédéral ou au provincial. Et donc, l'argent pour la remise à neuf de ces bâtiments-là, c'est pas ça qui va poser problème. Ah bien, non, ça va être un immense problème parce que rebâtir un immeuble comme ça, c'est au-delà de nos moyens, c'est certain. Alors, c'est pour ça que la première décision à prendre, c'est est-ce qu'on reconstruit? Est-ce qu'on reconstruit partiellement, ou est-ce qu'on rénove? C'est la première décision qui devrait être prise. Et tant qu'on n'a pas pris cette décision-là, de commencer à penser à des subventions, c'est mettre la charrue devant les bœufs. Parce que il faut d'abord définir ce qu'on veut faire avec ça. Il faut prendre une décision là-dessus, puis après ça, on se demandera ben, comment on finance le projet qu'on aura choisi et comment est-ce qu'il y aurait des subventions pour nous aider à financer ça. L'autre chose qui est sur la table, c'est que l'hôtel de ville pourrait faire partie d'un complexe immobilier plus grand qui occuperait par exemple le grand stationnement qui est adjacent à l'hôtel de ville, puis qui est un îlot de chaleur, qui n'est plus de notre époque, qui n'est plus quelque chose qu'on souhaite. Vous savez, les stationnements en asphalte, là, pour stationner des autos l'une à côté de l'autre, c'est fini, ça. C'est une affaire des années 60. Et puis, nous, on a ça à côté de notre hôtel de ville. Ce serait beaucoup plus intelligent de s'aligner sur un projet de complexe immobilier résidentiel qui serait adjacent à l'hôtel de ville sur ce terrain de stationnement-là, avec un terrain de stationnement souterrain pour les résidents de ces unités d'habitation-là. Alors, ça nous aiderait certainement de faire un tel projet avec un promoteur qui nous permettrait également d'avoir une meilleure structure financière pour le projet de l'hôtel de ville, vous comprenez? Parce que là, on ne serait pas tout seul à payer pour cet ensemble-là. Et puis, on pourrait trouver une façon d'accomplir, de réaliser le projet et qui serait réaliste d'un point de vue financier. Évidemment, au début de cette entrevue, vous nous avez parlé de la population qui a été invitée à prendre connaissance de l'état de la situation. J'imagine qu'au moment où la décision sera prise, elle sera mise dans le coup également, parce que c'est en bout de ligne elle qui, d'une manière ou d'une autre, va devoir payer, même si ce n'est pas directement. Oh, absolument, c'est tellement important ce que vous dites là. Et dans notre ville, on a des citoyens qui sont très engagés, qui sont très motivés et motivés à s'impliquer dans la communauté. On a aussi une culture à Saint-Lambert où l'architecture, le patrimoine, on y tient. On veut protéger le patrimoine, on veut protéger les beaux bâtiments, les belles maisons. Et d'ailleurs, on a des règles en matière d'urbanisme qui sont extrêmement sévères, parce qu'on veut faire attention au patrimoine bâti. Alors oui, dans cette perspective-là,
on veut présenter les choses, expliquer les choses, consulter les citoyens. À la fin, c'est évidemment le conseil municipal qui est souverain, qui prend des décisions. Et il faut s'appeler que le conseil municipal représente la population. On est tous des citoyens de la ville, puis on a été élus par les citoyens, certainement parce qu'on représente, grosso modo, les opinions de nos concitoyens et les valeurs de nos concitoyens. Alors, c'est comme ça qu'on va faire ça, mais oui, absolument, il faut que les citoyens soient mis dans le coup. En même temps qu'il faut que les citoyens comprennent les explications techniques qui vont venir avec ça. Vous savez, si clairement, ça vaut pas la peine de restaurer certaines parties de l'immeuble parce que ça coûterait une fortune et que ça donnerait pas grand-chose de beau et de fonctionnel, bien, il va falloir se rendre à l'évidence. Puis j'insiste sur le fait que c'est pas parce que l'immeuble tient debout puis qu'il y a des jolies façades que ça veut dire que c'est un immeuble qu'on sera pas obligé de détruire en partie, en tout cas. Avant que c'est là un côté positif de la chose, une petite ville autour de 22 000 habitants, n'est-ce pas? Et on peut prendre des décisions, même avec la population, mettre la population dans le coup. Oui, on peut vouloir diriger une très grande ville, mais disons que c'est un petit peu beaucoup plus difficile dans les grandes villes, n'est-ce pas? Alors, là-dessus, Pascal Mongrain, mairesse de Saint-Lambert, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous expliquer cette problématique de la ville de Saint-Lambert. Merci beaucoup d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Merci à vous. Hein. Je réitère que c'est très gentil que vous soyez intéressé à notre ville. J'ai au grand plaisir de vous reparler prochainement. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Bon week-end. Merci à vous aussi.